C'est parti, ça tourne. Alors, on m'a proposé de vous faire visiter mon atelier. C'est ce que je vais faire. Donc, bienvenue dans les coulisses. Ça, c'est les coulisses. On est donc le matin tôt. Ça, c'est l'atelier. Très jolie lumière du matin. Alors, voilà. Ça fait 17 ans que je suis là. On est 6 à partager l'endroit. Alors, une petite visite, comme on l'a dit, on commence par le bar. Très important, le bar. En entrant à gauche, on remarque au passage que les musiciens sont bien disciplinés, vu qu'il y a non seulement du produit à vaisselle, mais du désinfectant pour les doigts, des lingettes désinfectantes et des masques, parce qu'on vit une époque fantastique. Un premier instrument, le piano à queue de François, un des 6 compères. Très belle grave. Voilà. On passe, ça c'est un vrai Fender Rhodes, n'est-ce pas ? Années 60. Piano électrique. Façade est, on a la poutre de Patrick. La contrebasse. Une affiche, on n'oserait plus faire ça. Une dame qui fume une clé de sol. Hein, la fumée, pas bon. Alors, le petit harmonium de Louis. Petit harmonium à main, les amplis. La batterie, parce que le batteur reste le meilleur ami du musicien. Mon harmonium. Alors, le joli son de l'harmonium. Voilà, moi j'aime beaucoup écrire avec l'harmonium parce qu'on a la durée de notes. C'est très bien pour les cuivres, les voix. Une belle affiche de piano 7 Taipei 2001. On a une jolie forêt. L'été, c'est tout vert. Donc, c'est pas l'été. Hein. La station d'écoute, vinyle. Voilà, des fois, on boit un verre et on écoute de la musique. Ça se fait. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur et cet album et cette affiche. Parce que, voilà, on les voit mieux. C'est à travers Léon Francioli que j'ai atterri ici. Et donc là, on a dans l'ordre Olivier Clair, Olive, qui répète toujours ici, Jean-François Bovard, devant lui Léon Franciolier, en-dessus Daniel Bourquin, dit Nunus, parce que c'était le local de répétition du fameux BBFC, groupe sublime. Voilà, groupe mythique. D'ailleurs, on peut faire le lien direct, parce que là, on a un Nunusophone, parce que Nunus aimait inventer ses instruments. Donc on voit la colonne d'air qui rallonge, des fois ça passait dans l'eau, enfin voilà, super. Sinon, ben, je ne résiste pas à vous présenter ma guitare baryton fretless. Fretless, donc il n'y a pas des petites barres qui définissent la note. Baryton, c'est entre la guitare et la basse. Et puis, ma station de mix, mes 2 enceintes, là on pose un ordi au milieu, et c'est là que je mixe mes albums et toutes les musiques. Et puis on va se dire au revoir, parce qu'il faut quand même que je joue. Hein, on va se dire au revoir sur l'affiche de mon dernier album, et oui, Poème de la veille. C'est une affiche sérigraphiée à Renonce, aux ateliers obscurs. Et au verso, ben, y a les textes, les chansons. Voilà. À tout bientôt. Bonne journée. Ciao.